déjà assez étroit, c'est hyper étroit. Je mets le deuxième lampe en renfort. Je suis pour appuyer, j'ai du mal déjà. Bon, déjà je passe. Je pense que je suis arrivé jusque là. Je n'ai pas allé plus haut. Je passe difficilement. On va faire une chose. Là, j'arrive pas à passer, les amis. C'est même pas une question de poids. Vous voyez, là, je suis à l'aise. C'est l'accès là, avec ce clavier. Je sais pas comment il faisait à l'époque. Oh. Ah, j'ai passé le corps. Hop. J'ai réussi à passer. Je sais pas comment viser. Je sais pas si je vais passer là dans l'urgence ou quoi, mais. C'est assez violent. Après, je pense que c'était plus une gaine technique, une gaine de ventile. Là, on est passé, les amis. Alors, on va essayer de faire gaffe parce que là, je vois que c'est boulé. Et là, la maçonnerie laissait désirer, quoi. Introduit là dans cette petite pièce. On va essayer de voir au-dessus comment c'est gaulé. Bon, oui, c'est mort. Bon, les amis, voilà. J'ai réussi à rentrer. J'arrive enfin à voir ce que c'est que ce conduit. Donc là, je peux pas y aller, il n'y a pas d'échelle. Je peux peut-être en faisant le ninja. On est escaladant là, ce conduit. Bon, maintenant, s'il pète, je pense que je serai comme un con pour descendre. Donc là, alors, ce qui fait peur, c'est. Alors, ce rocher, est-ce qu'ils l'ont calé? Ce rocher, il fait peur. Je vois qu'il y a des tasseaux de bois là. Donc en gros, c'est bien l'accès qui mène à la ventile. Je vois pas d'échelle. Donc je ne sais pas comment il faisait pour passer à l'étage, je pense qu'il devait passer puisque là il y a un accès. Et en cas de maintenance, bon, pour agir ici, là, il n'y a pas de souci, mais là-haut, il devait y avoir... D'accord, je comprends. L'échelle, alors je ne sais pas si c'est l'époque, si ça a été rajouté après, je pense que ce tasseau de bois, là, faisait guise d'échelle. C'était pété avec le temps, je pense, mais c'était l'échelle, ça. Ok. Donc, c'était vraiment archaïque. Hein. Donc, je pense que le type pouvait ses pieds, là, sur les marches. Jusqu'en haut, il devait y avoir autre chose en haut. Mais non, il devait se prendre là-haut. Il y a une deuxième échelle ici, voilà. Ok. Ok, c'est hyper, hyper fin, hyper étroit. Le type devait galérer à monter là-dessus. En plus, là, il y a un conduit qui était pété, vous voyez, là. Carrément déboîté et monter sur ces tasseaux de bois pour aller là-haut. La pierre, donc, elle est pas là. Ah, bah oui, d'accord, j'ai compris. Donc, la pierre, cette pierre là, elle est tombée et en tombant, elle a déboîté ce conduit. Et le reste doit être là-haut. Ok, donc tout s'explique. J'irai bien faire un jus, mais voilà. L'échelle, le bois est pourri. Comme je dis toujours, restez safe. Donc, étant lumé la tronche, ayant une petite part d'inconscience, je serais tenté de le faire. Maintenant, j'ai envie que vous voyez cette vidéo. Je pense aussi que j'ai une famille. Je vais pas faire le con. Je vais pas faire le con. Allez. Au regret de vous décevoir, je vais pas prendre le risque de monter là-haut. On va rester sage. Tant pis si j'en déçois quelques-uns. Mais je tiens quand même à ma vie. Donc du coup, on va essayer de redescendre. Je suis quand même content d'avoir pu le faire, d'être passé surtout, histoire de ne pas rester sur une défaite. Je suis un peu déçu que l'accès soit aussi limité. Écoutez, je redescends et on fout.
mini-explo récap du bunker. Là, les oiseaux que j'ai vus là, tout à l'heure ça m'intrigue, hein, c'est la première fois que j'ai des oiseaux dans un bunker. Ces oiseaux là, ça m'intrigue. Essayez d'aller voir ça d'un peu plus près. C'est bien la première fois que j'ai des oiseaux dans un bunker. Là il y en a un, là, je sais pas si vous le voyez, on va se rapprocher, là si on va s'envoler. Vraiment, ils s'envolent pas, c'est bizarre ça. Je sais pas si vous le voyez. Alors, j'étais à deux doigts de se poser sur ma tête quand même. Lui il est sorti. Je pense que je l'ai aveuglé avec la lampe. Ah, c'est sur mon cœur. Il fait hyper bon dans mon cœur. On est hyper bien isolé. Là, je me fais quand même un petit tour de sécurité, les amis. Hein. Comme je fais toujours, pour m'assurer qu'il n'y ait personne. Voilà. Ils ont démonté. Quelqu'un est venu là, il n'y a pas longtemps, ils ont démonté le moteur. J'ai envie de filer là. Ça a bougé hein, depuis la dernière vidéo que j'ai fait là. Partie de moteur manquante. Qui se la crotte au fond, donc il y a des animaux qui viennent. Un de ces quatre, que je laisse une caméra de chasse à l'intérieur. Mais nous, on va ressortir. Alors, content d'avoir enfin pu pénétrer dans cette pièce. Bien les amis, on va rentrer dans la tente. Il commence à faire vraiment froid là. La température a un peu baissé. Il fait 4, entre 4,5 et 5 degrés. Ça varie selon où je prends la température. Bon là je vais rentrer, je me pèle un petit peu. On va se mettre bien au chaud. Allez. Ouais, bien les amis, je suis vraiment bien, je suis au top. Voilà, j'ai mon petit sac bien épais, tranquille. Je suis bien emmitouflé là, je suis au chaud. Je vais passer une bonne nuit en espérant qu'il n'y ait pas trop de bruit chelou autour. Voilà, bon. Ouais, bien les amis, je viens de me réveiller. J'ai encore la tête dans les nuages. Donc, je vais me faire couler un petit café. On va se détendre pour se remettre de cette nuit. Et ensuite, on va aller faire un tour pour aller récupérer la caméra de chasse et voir si on a eu quelque chose. Ah non, c'est par là, je refais une plante. Je vais m'étaler. Voilà. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a du passage. C'est de la terre retournée. La terre fraîche, bien sûr. Retournée là. Yeah.
peur, je me suis fait peur tout seul avec mon membre hein, quand même là. Alors je vais faire gaffe puisque c'est là qu'il squatte. Hein. Ouais non c'est retourné là, c'est tout frais. Là je suis en train de me faire choper par ma cam. Ah vous voyez les amis là, c'est retourné là. Là la terre est fraîche. Hein. On va faire gaffe. Alors, on va voir si on a eu quelque chose. Il est temps de lever le camp. Les chasseurs ne vont pas tarder, donc on va pas prendre de risque. On va se mettre sur un bâton en hauteur le petit gilet jaune là, que vous voyez sur la tente, histoire de ne pas se faire tirer dessus. Et moi, je vous dis à bientôt. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas à liker, partager un max sur tous vos réseaux sociaux. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine. Tchou tchou les amis.